Qu'est-ce qui se passe là? Non. Mais non, mais regardez les gars, le chase de la Pat Patrouille se fait harceler. Mais vous le voyez très très bien les gars, ça se voit. Il vient carrément de se faire retirer le ballon. Non, mais sérieux. Non mais ça se fait pas, ils sont sérieux. Mais Vlad et Niki, ce sont des harceleurs. Mais ouais. Comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part là les gars, je vous le dis, je suis surexcité. On se retrouve pour une folle vidéo. Là vraiment c'est le cas de le dire, parce que je prévois d'organiser l'ultime rencontre entre les youtubeurs Vlad et Niki et la Pat Patrouille. Oui. Aïe. Je pense que cette vidéo s'annonce très très palpitante, très très excitante surtout les gars. En tout cas tous ensemble on va bien savoir ce qui peut se produire à la suite de cette rencontre. Ça risque d'être vraiment vraiment très très intéressant. Et peut-être même qu'ils vont faire une vidéo ensemble. Ah, oh non, ça serait la folie les gars. Oui. En attendant je vais devoir réaliser une petite stratégie pour pouvoir réaliser cette fameuse rencontre spéciale entre les Vlad et Niki et la Pat Patrouille. Et vous inquiétez pas pour ça, j'ai déjà tout prévu. Des petites friandises pour chiens les gars, avec une petite gamelle personnalisée avec Chase. Et là regardez les gars, je suis venu jusqu'à la zone très très fréquentée des Vlad et Niki. Alors là je vous le dis, je me trouve tout juste sur le city stade de Vlad et Niki. C'est réellement là où ils passent le plus de leur temps, s'amuser au football et au basket. Et je vous le dis là, pour attirer Chase de la Pat Patrouille, j'ai tout prévu. Allez on va remplir la gamelle de plein de friandises. Voilà, comme ça bien rempli les gars. Et je vais la déposer bah simplement tout juste en dessous du panier de basket. Ce sera très très bien. Oui. Et voilà, tout est prêt les gars. Je pense que ça pourrait vraiment vraiment attirer toute la Pat Patrouille. C'est le but les gars. En tout cas là moi je vous le dis, je vais pas rester là plus longtemps. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement retourner à la voiture et on va observer tout ce qui se passe avec le drone. Et allez, le drone est tout en haut dans les airs les gars. Et je vous le dis, on va pas se prendre la tête. On va simplement survoler la zone où on a déposé la petite gamelle remplie de friandises. C'est simplement ce qui nous intéresse les gars. Normalement ça devrait attirer les chiens de la Pat Patrouille. On l'espère, on croise les doigts, faut croiser les doigts les gars. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qu'il voit là les gars? Attendez, je zoome les gars, c'est Chase. Les gars, regardez ça. Mais voilà que ça attire Chase de la Pat Patrouille. Et je crois bien que mon plan fonctionne à merveille. Mais oui, on a vraiment l'arrivée de Chase de la Pat Patrouille les gars. Alors là je suis trop fier de moi parce que ça a l'air de véritablement fonctionner. Je veux dire qu'on a véritablement réussi à attirer Chase de la Pat Patrouille jusqu'à la zone très très fréquentée de Vlad et Niki gros. Regardez là les gars, ça l'a attiré jusqu'au fameux city stade. On le voit, regardez, il est simplement attiré par les friandises. Allez, bon bah régale-toi bien. Oui, régale-toi bien Chase, tu l'auras mérité hein. Oui. Ah mais regardez, il est clairement en train de dévorer la gamelle de friandises. Mais, attendez, vous voyez ce que je vois les gars? Regardez, c'est le Vlad et Niki, ils sont là. Waouh, d'un coup ça me fout un coup de stress là comme ça les gars. Je sais pas forcément à quoi on peut s'attendre. Regardez ça les gars, c'est moi ou Chase de la Pat Patrouille n'est pas le bienvenu. J'ai l'impression que Vlad et Niki n'ont pas l'air d'apprécier la venue de Chase. On a même carrément l'impression que ça dérange les Vlad et Niki. Mais oui les gars, regardez. Je crois que ça a l'air même de carrément poser problème. Regardez-moi ça. Vlad et Niki viennent de confisquer la gamelle de friandises. Non mais ils sont pas sérieux. Non attendez, je suis pas d'accord. Pour qu'ils se prennent, pourquoi est-ce qu'ils confisquent la gamelle de friandises? Rendez la gamelle de friandises. Non, non. Oh bah Chase là je crois qu'il va pas se laisser faire. Non. Je pense que Chase déteste quand on touche à sa nourriture. Mais oui, et que font Vlad et Niki? Sérieux? Non mais attendez. Non, ils sont pas sérieux. Mais c'est bon, ils viennent carrément de jeter la gamelle de friandises à la poubelle. Non, c'est pas sérieux, ils ont carrément balancé la gamelle à la poubelle. Non. Ah mais non, désolé. Mais on jette pas la nourriture comme ça à la poubelle, c'est du gaspillage en plus. Mais non. Oh mon dieu. Alors là, mais pour qui ils se prennent? Ah ouais, mais je pense que Vlad et Niki ont carrément jeté la gamelle de friandises à la poubelle pour expulser Chase du terrain de basket. Non mais sérieux, non. Ah non, mais là ça se fait pas. Oh, regardez, en plus ça a carrément attristé Chase. Non, mais sérieux. Non. Oh mais franchement, les Vlad et Niki sont encore et toujours complètement déchaînés. Ils passent leur temps à faire que du mal à tout le monde. Et là surtout que Chase, lui, de la Pat Patrouille, il mérite pas ça. Non, ça se fait pas. Sérieux, que non, je suis pas d'accord. Tiens, bah voilà, bah regardez, je le savais les gars. Voilà qu'on retrouve Vlad et Niki au terrain de basket. Et ma déduction était bonne, c'était bel et bien pour expulser
cette chaise de la patte patrouille. Non mais sérieux quoi. Et bah regardez, maintenant que ça s'envoie des petits paniers, allez hop, si c'est pas Vlad, c'est Nikki. On a le retour de Chase. Tiens tiens, surprenant quand même, non? Attendez, c'est trop bizarre. Mais à quoi peut-on s'attendre là maintenant les gars? Je crains le pire. Je ne sais pas pourquoi, je crains le pire les gars. Mais ouais, hop. Ah bah là on peut bien comprendre que encore une fois, bah Chase n'est pas le bienvenu. Vlad et Nikki refusent la venue de Chase. Non mais je comprends pas, Chase il est adorable. Il est toujours là pour apporter sa bonne humeur. Je suppose qu'il voudrait simplement jouer un petit peu au ballon de basket avec Vlad et Nikki. Non, attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, mais non, mais regardez les gars, mais Chase de la patte patrouille se fait harceler. Mais vous le voyez très très bien les gars, ça se voit. Il vient carrément de se faire retirer le ballon. Non, mais sérieux. Non mais ça se fait pas, ils sont sérieux. Mais Vlad et Nikki ce sont des harceleurs. Mais ouais. Bah ouais, bah là pour le coup, bah Chase il est attristé et il est en pleurs. Je crois qu'il est carrément en pleurs les gars. Il refuse de jouer avec Chase de la patte patrouille. Et ils l'ont carrément même harcelé. Les gars, mettez plein de pouces bleus pour soutenir Chase de la patte patrouille. Il se fait carrément harcelé par Vlad et Nikki. Ah bah maintenant tout se passe au niveau du terrain de football. Je crois que là c'est plus le basket mais c'est le football. Et quoi? Les gars, sérieux? Mais on voit encore une fois Chase de la patte patrouille s'aventurer auprès de Vlad et Nikki. Oh non, pas bonne idée du tout. Non bah regardez, mais Vlad et Nikki sont pas d'accord. Mais Vlad et Nikki ne veulent pas du tout fréquenter Chase. Ils le refoulent et ils lui empêchent de prendre le ballon. Et quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Nikki vient carrément d'envoyer le ballon sur Chase. Non mais sérieux, ils sont mauvais. Non mais Vlad et Nikki sont très méchants les gars aujourd'hui. Mais le harcèlement continue les gars. Mais désolé mais bon les gars, je peux pas laisser faire ça. Non, je peux pas laisser faire ça moi les gars. Hey, oh mon téléphone qui sonne. Attendez, mon téléphone, il est où? Où est mon téléphone? Yo, les gars, Chase la patte patrouille qui m'appelle. Je veux répondre, je veux savoir ce qui se passe. Je réponds. Allô? Allô Chase? Allô? C'est moi Chase. Dès que je t'appelle parce que je me fais harceler par Vlad et Nikki. Oh non, pauvre Chase. Oh là là, tu sais quoi Chase, ne reste pas là. Ne reste pas auprès des Vlad et Nikki. Ils sont pris d'une mauvaise malédiction. Ils sont très méchants. Ils passent tout leur temps à faire du mal, d'accord? Donc tu quittes la zone et si tu veux, tu peux même venir à la maison. Et d'abord, j'ai plein de petites surprises pour toi. J'ai même plein de friandises. Des friandises? J'arrive tout de suite. Ok, bah tu sais quoi, on t'attend à la maison. Oh mon dieu les gars, désolé mais oui, j'ai clairement décidé d'inviter Chase de la patte patrouille à la maison. Je pense qu'il a besoin de réconfort, il a besoin de se changer un petit peu les idées. Il vient carrément de se faire harceler par Vlad et Nikki. Hey, comment ça va la famille? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas pour ma part ça va super les gars, parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Et oui, c'est l'anniversaire de Sim Spooky. On est donc bien obligé de préparer quelque chose à la hauteur de l'événement les gars. Et oui, nous allons préparer l'anniversaire de Sim Spooky. Et là pour le coup je suis pas tout seul les gars, il y a Spooky est aussi présent avec moi pour cette vidéo. Et ouais les gars, j'étais clairement obligé d'être présent pour cette vidéo. C'est quand même l'anniversaire de Sim Spooky, c'est un grand jour les gars. Et regardez, on a commencé déjà à décorer toute la maison. Et puis figurez-vous les gars qu'on a pas fait les choses à moitié. Regardez-moi toute cette décoration. J'ai acheté des petits bonnets à mettre sur la tête comme ça. Ça les gars, c'est des feux d'artifice. Et ça franchement c'est trop de la balle. Regarde aussi, j'ai acheté des bougies. Bon ça c'est le classique hein. Classique. Attends, Yaya, t'aurais pas oublié quelque chose? Essaye de réfléchir. Non, t'inquiète pas, j'ai rien oublié, j'ai tout pensé, t'inquiète pas. T'es sûr de toi? Oui, sûre et certaine. Non, Yaya, il manque quelque chose. C'est d'ailleurs l'élément le plus important quand on prépare un anniversaire. Mais essaye de réfléchir. Attends, laisse-moi réfléchir. J'ai acheté des ballons, j'ai acheté les feux d'artifice, j'ai acheté les bougies, j'ai acheté les assiettes, je sais pas. Attends. Oh, le gâteau. On a oublié le gâteau. Rome, le gâteau. Eh bah ouais Yaya, le gâteau. Mais c'est la chose la plus importante. Eh, faut faire vite, faut se dépêcher. En tout cas, on n'a plus beaucoup de temps. Eh, mais Rome, on a un problème là. Il est 23h passé et tous les supermarchés sont fermés. Comment est-ce qu'on va faire pour avoir un gâteau là? C'est fini, on va pas pouvoir fêter l'anniversaire de Sim Spooky ce soir. Eh oui, effectivement, à cette heure-là, tous les supermarchés sont fermés. Mais je crois que j'ai une solution de secours. Bah ouais, j'ai une idée les gars. Pourquoi pas essayer d'aller sur le dark web? Eh ouais, le dark web c'est disponible 24h/24. Mais t'es sûr que c'est une bonne idée, Rome, là? Bah je sais pas vraiment. Mais en tout cas, dis-toi que le dark web c'est disponible
24h sur 24 et c'est la seule solution de pouvoir sauver l'anniversaire de Sims Pookie. Bon, c'est vrai que c'est pas la meilleure des plateformes pour commander un gâteau. On pourrait avoir de mauvaises surprises, Robtek. Je dis ça, je dis rien, moi. Allez, Yaya, on n'a pas le temps de réfléchir. Il nous faut un gâteau tout de suite. Allez, viens, viens, viens. Je vais essayer de regarder un petit peu sur internet. Alors, les gars, je sais qu'il y a plusieurs types de gâteaux sur le dark web. La dernière fois, on a eu l'occasion de commander le gâteau de Peppa Pig. On peut peut-être recommander le gâteau Peppa Pig, non? Qu'est-ce que t'en penses, Yaya? Non, on l'a déjà commandé, peut-être un autre. Ah ouais, toi, c'est vrai qu'on l'a déjà fait, on l'a déjà commandé, les gars. Tu vois qu'il y a aussi le gâteau Spider-Man. Ça peut être incroyable aussi, non? Oh non, il n'y a pas autre chose encore. Attends, je regarde. Il y a le gâteau Pat Patrouille. Oh my god! Pat Patrouille! Regarde, attends. Ouais, regarde, gâteau Pat Patrouille. Wow, mais attends, mais c'est trop bien. Mais ouais, tu l'as dit tout à l'heure, Sims Pookie est fan de la Pat Patrouille. Ouais. Je pense que là, on a le bon gâteau. Allez, hop, voilà, je choisis le mode de livraison rapide. Alors, il devrait arriver d'ici 10 à 15 minutes, les gars. J'espère que tout va bien se passer. C'est quand même l'anniversaire de Sims Pookie qui est en jeu, là, les gars, ce soir. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous mettre un maximum de likes sur cette vidéo pour nous soutenir. Parce que là, je vous avoue, c'est dingue. Et ouais, les gars, j'espère que le gâteau va arriver le plus vite possible. Parce que c'est quand même l'anniversaire de Sims Pookie ce soir. Il faut qu'on rate rien. A few moments later. C'est le livreur du dark qui vient de m'envoyer un message. Et normalement, les gars, le gâteau devrait arriver dans 3 minutes. 3 minutes, Yaya. Ah, c'est super, ça rentre. Yaya, faut se tenir prêt. Faut se tenir prêt parce que 3 minutes, ça va vite, ok? Non, t'inquiète pas, ça me laisse le temps de finir la déco tranquillement, tu vois. Ouais. Mais faut faire vite, faut se dépêcher. Oui, ouais, t'inquiète pas. Est-ce que toi, tu sais gonfler 2 ballons en même temps? Bon, bah attends, je vais essayer du coup. Vas-y, 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 hein. Vas-y, encore. Oh non, j'ai pas réussi. Mais attends, maintenant c'est à ton tour de tester, non? Allez, je vais essayer, j'ai mes 2 ballons. Look at this dude. Wow, Robtek, tu es Moi j'ai réussi. Mais ça va, les gars, ça vaut un maximum de la tête. T'as entendu là, Yaya? Mais c'est le gâteau, ça, Robtek. À mon avis, oui, c'est la livraison du gâteau. Bah, on y va. Allez, on va aller voir ça. J'espère que c'est bel et bien le gâteau de la Pat Patrouille, sinon je serais déçu. Allez, je suis trop impatient. Allez, j'ouvre la porte. Allez, je me dépêche. Allez, c'est parti, les gars. On se dépêche. Donc, regarde là. Oh, regarde là. Là, Yaya. Oh, mais c'est le gâteau, ça. Attends. Mais ouais, les gars, regardez-moi ça. C'est le gâteau. La Pat Patrouille en plus. Là, on est refait, Yaya. Eh, ça y est, les gars. Regardez, on a le gâteau Pat Patrouille. Et là, franchement, tout commence à s'arranger. Et on va pouvoir bientôt fêter l'anniversaire de Sims Pookie. Mais attends, c'est pas du tout terminé. Faut aller voir que j'aille préparer le gâteau, mettre toutes les bougies et les fusées et tout. Et après, on se retrouve. T'inquiète pas, je m'occupe de tout, Rob. Vas-y. Allez, prépare tout ça. Tiens, regarde là, c'est les bougies, Yaya. Tiens, prends les bougies. Merci. Bon, bah, Yaya, je te fais confiance et je te laisse disposer toutes les bougies sur le gâteau. Et puis, je te mets en garde tout de suite, Yaya. Je sais que t'es gourmande et je sais que tu pourrais te prendre une part de gâteau. T'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Je toucherai pas au gâteau, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, bon, allez, je peux mettre les bougies sur le gâteau, hein. Vas-y, prépare ça. Bon, et bien, en attendant qu'il y a Spooky prépare les derniers petits détails, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement regarder quelle heure il est. Et oh, il est minuit, les gars. Ça y est, il est minuit. Ça veut dire qu'on passe au jour suivant. Et c'est bel et bien le jour J, les gars. Ah oui, c'est l'anniversaire de Sims Pookie. Ça y est, il est minuit. Ouais, c'est l'anniversaire de Sims Pookie. D'ailleurs, regarde, j'ai fini de préparer le gâteau. Oh, ça c'est stylé, mais attends. Avant que tu n'écoutes la suite des effets sonores, sache que tu peux tous les télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. C'est pas la peine de me demander comment j'ai réalisé ces effets puisqu'ils sont pas de moi. Je les utilise juste dans mes vidéos et je vous les partage aujourd'hui. Alors abonnez-vous à la chaîne. Comment t'as osé faire ça? Allez, la suite des effets sonores. D'anniversaire du Sims Pookie. Désolé Rob, j'ai craqué. Le gâteau par contre il était trop bon. Bon allez, je pense que c'est pas le moment de perdre du temps là. Je propose qu'on appelle qu'on lui annonce qu'on lui prépare une surprise là au salon. T'es d'accord? Je vais l'appeler, les gars, et je vais lui demander de redescendre au salon. Regardez, j'ai bel et bien le contact de Sims Pookie là dans mon téléphone, les gars, et on va directement l'appeler en FaceTime. Allez, je l'appelle en FaceTime. Allez. Oh, ok, ça y est, c'est parti, les gars. Je vais directement déclencher l'appel FaceTime. J'espère que ça va quand même répondre. Allez, Sims Pookie, réponds. Bon, réponds quand même, bah ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'il doit encore être en train de faire? Oh, ça a répondu. Salut, Sims Pookie. Ça va? Ouais, bah ça va très bien, et toi, ça va? Tu passes une bonne soirée? Bah ouais, tranquille sur mon PC, bah ouais, tu vois. Ok. Bon, écoute, Sims Pookie, tiens, on t'a prévu une petite surprise au salon. Est-ce que tu pourrais nous rejoindre là maintenant tout de suite? Là, tout de suite, oui. Bah écoute, aujourd'hui, tu le sais, c'est le jour J, et on t'a préparé une petite
petite surprise au salon. Alors vas-y, rejoins-nous tout de suite, hein, allez. Tu sais quoi, vas-y, descends tout de suite au salon et tu verras, on t'a préparé une dinguerie, ok? Ok. Allez, à tout de suite, à tout de suite, Team Spooky, à tout de suite. Mais attends, repète, il y a un gros problème là. Le truc, c'est que si Spooky va descendre, il va voir tout ce qu'on lui a préparé. Il n'y a pas de surprise, je trouve ça grave dommage. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on monte à l'étage et qu'on lui bande les yeux et qu'ensuite on le fasse descendre et qu'il découvre la surprise. C'est pas une bonne idée, ça? Ouais, ça c'est une bonne idée. Ça c'est pas mal. On pourrait lui bander les yeux avec un petit bandeau et comme ça, ça va lui faire la surprise. Allez, vite, vite. On monte à l'étage. Allez, vas-y. Hey, ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut, j'ai pu le faire. Allez, c'est Spooky, on t'attend pour ta surprise. Dépêche-toi. Allez, salut, je suis là. Allez, quoi, mais t'es plus si fort, là, tranquille. Non, pas tranquille, on a une surprise de la plus haute importance à présenter. Allez, viens par ici. Viens, c'est Spooky, attends, t'as bien ici. Pour te faire découvrir la surprise. Mais vous faites une blague ou quoi? Non, arrêtez. C'est très important, c'est Spooky. Je vois tout le monde. Bon, désolé, c'est Spooky, on est obligé de te bander les yeux, c'est pour la surprise. Bon, maintenant tu vas me dire, est-ce que tu me vois là? Non, je te vois rien du tout là, les gars. Ok, bon, c'est bon. Maintenant, on peut quand même lui faire découvrir la surprise. Allez, vous êtes sûr, hein? Oui, t'inquiète pas. Allez, si Spooky, tout est prêt maintenant, tu vas pouvoir retirer le bandeau à 3. Allez, 3, 2, 1, retire le bandeau. Vas-y, c'est le moment. Joyeux anniversaire, si Spooky. Regarde le gâteau, comment il est magnifique. Allez, pardon, c'est l'heure de souffler les bougies, s'il vous plaît. Non, mais attendez, les gars, je crois qu'il y a un petit problème là par contre. Mais quoi, il n'y a aucun problème, c'est ton anniversaire, tu peux souffler les bougies. Allez, à 3, 1, 2, 3, tu peux souffler. Ok, les gars. Allez, vas-y. Ouais, ok, bon bah, merci, les gars. Je sais pas quoi expliquer, il y a un problème, les gars là. Mais non, si Spooky, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, on a un cadeau pour toi. Allez, viens par ici. Vas-y. Regarde, t'as offert un petit cadeau. J'espère qu'en tout cas ça va te plaire. Ouais, mais les gars, attendez, par contre, il faut que je vous explique là. Mais attends, Sim Spooky, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être oublié quelque chose. On a foiré quelque chose, je crois, hein? Ouais, je crois qu'on a peut-être foiré quelque chose à Sim Spooky. Bah non, pas du tout, les gars, c'est juste, vous me laissez pas parler depuis tout à l'heure. Bon, il faut que je vous explique. En gros, bah en fait, bah, c'est pas mon anniversaire aujourd'hui, les gars. Quoi? Mais si, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Mais aujourd'hui? Mais non, les gars, vous êtes carrément foirés en fait. Non, mais attends, mais ça, je peux pas l'entendre. Mais comment c'est possible? Bah si, c'est possible en fait. Vous êtes carrément trompés, les gars. C'est pas aujourd'hui mon anniversaire. C'est le mois prochain, quoi. Oh bah désolé, c'est Spooky. En fait, on s'est complètement trompés. On est complètement à côté de la plaque là. Bon bah, vous savez quoi? C'est pas grave, hein. Par contre, je refuse pas un cadeau, hein, les gars. Ouvrez ton cadeau. Allez, vas-y, c'est quoi? C'est quoi, les gars? Vas-y. Oh, les gars! Oh, trop cool, les gars! Mais vous m'avez offert le sac à dos Pat Patrouille! Eh ouais, je savais que t'étais fan de Pat Patrouille, hein! Bah, c'est trop de la balle quand même, mon cadeau d'anniversaire! Bon, on va dire que c'est l'anniversaire en avance, quoi! Hein. Ouais, voilà, c'est ça en fait, hein! Bon, maintenant, les gars, on va pouvoir faire la fête toute la nuit, là, maintenant! Eh ouais, ça c'est vrai, ça, hein! Eh ouais, on va pouvoir faire la fête toute la nuit, les gars! Vous êtes prêts ou pas pour faire la teuf? Wow, là, par contre, j'en peux plus, on a fait la fête toute la nuit, là, je crois que je vais dormir comme un loutre, là, cette nuit, hein. Ouais, c'est clair, même moi, là, je suis un peu fatigué, mais bon, c'était quand même trop cool, là, mon anniversaire. Ah ouais, là, c'était trop stylé, là. Bah, on a fait la fête presque toute la nuit, regarde, il est déjà 3h du matin. Ah ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est un truc de ouf, quand même, ça, le temps passe trop vite, quoi. Non, mais attendez, les gars, là, par contre, vous avez oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, le gâteau. On n'a pas encore mangé le gâteau. Quoi? C'est quand même le truc le plus important, quoi. Non, mais on est trop bête, on n'a pas encore mangé le gâteau. Mais comment on a pu oublier ça? Allez, on y va quand même. Allez, bah, ouais, allez, let's go. Bon, allez, ça y est, je distribue les assiettes. Tiens, toi aussi, Rob, t'as droit à une assiette, ouais, pas de ouais, merci, hein. Allez, vas-y, Spooky, on te laisse couper le gâteau, non? Bah, ouais, c'est quand même mon gâteau d'anniversaire pour le coup. Ouais, vas-y. Allez, je coupe la première part de gâteau pour Yaya Spooky. Allez, ramène ça par ici. Oh, trop bien. Allez, vas-y, bah, Yaya, on te laisse goûter en premier. Allez, vas-y. Oh, alors vas-y, dis-nous ce que t'en penses. Oh là là, le gâteau est incroyable, les gars. Mais c'est trop bon, je vais dévorer la part entière là maintenant. Vas-y, hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais les gars, c'est quoi ça? Mais attends, regarde, il y avait ça dans ma part de gâteau, c'est dégoûtant là. Oh, ouais, j'avoue, c'est ultra bizarre quand même. Attends, montre. Fais voir, regarde, attends, je vais lire. C'est ça, il y a quelque chose d'écrit. Mais ouais, attends, tu veux pas. Essaye de retirer tout le chocolat pour voir. Vas-y. Ah ouais, là, ça y est, c'est bon. Attends, scanner le QR code sur la boîte de gâteau. Ça veut dire qu'il y a un QR code sur la boîte de gâteau. Venez, on va voir. Je veux regarder. Attends, elle est où la boîte? Regarde. Attends, c'est où qu'il y a un QR code? Faut regarder. Les gars, c'est là, regardez. C'est juste ici, regarde là, juste là. Oh,
Ah ouais. Ouais, il y en a un juste là, là, ouais, c'est vrai. Mais le truc le plus étrange, c'est de déposer un bout de papier dans la part de gâteau. C'est pas très très hygiénique ça quand même. Bon, je vous avoue, ça attise ma curiosité, ce fameux QR code là. Et vous le savez, avec le téléphone, je vais pouvoir peut-être scanner le QR code. Attends, on essaye? Ah ouais, si, essaye, hein. Je vais essayer les gars. Regardez, on va scanner. Et voilà, ça y est. Oh, attends, qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez les gars, je sais pas trop ce qui se passe sur mon téléphone là, mais... Bon bah Yaya, t'as vu, j'ai scanné le QR code, mais maintenant, il se passe plein de trucs bizarres dans mon téléphone, les gars. Regardez. Les gars, mais ça a déclenché un appel. Mais ça a déclenché un appel de Chase. Je réponds. Les gars, je réponds, hein. Bizarre quand même, hein. Allô Chase. Vous n'aurez pas dû scanner ce QR code. Oh, ok, désolé. Mais désolé. C'est pas fait exprès. Ok, ça va. Ok. Attends, vas-y, passe-moi ton téléphone, moi j'ai envie de lui parler. Attends, mais ouais. Allô, Chase. Ça va, tranquille? Tu passes une bonne soirée? Non, ce soir, ça va pas. Non, je crois qu'il va faire une gaffe, là. Bah, Chase, écoute, je te propose de finir l'anniversaire avec nous à la maison, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas pour venir faire chouchou avec vous. Je crois qu'il est pas très content. Hé, raccroche, abuse pas quand même. Allez, raccroche, vas-y, essaye, les gars, j'ai raccroché. Non mais c'est quoi ce délire, moi? Je pensais que Chase, il était gentil, quoi, non? Mais oui, Chase, de base, il est super gentil. Mais là, le fait qu'il soit 3h du matin, à mon avis, on n'a pas affaire à Chase ordinaire, mais on aurait plutôt affaire à Chase.exe. Oui, vous savez, la version diabolique. Vas-y, Sim Spooky, on t'en veut pas, c'est pas trop grave. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est ton pseudo anniversaire, donc ça va, t'as de la chance. Mais là, par contre... attendez, vous entendez ou pas là les gars? Ouais, j'entends. Non mais attends, mais on entend aboyer les gars, ça vient d'où ça? Venez, on va regarder par la fenêtre. Vas-y, les gars, vas-y. Bon, vas-y, laisse-moi, j'y vais en premier, ok? J'entends les gars, j'entends aboyer. Oh là. Mais ouais, c'est vrai, mais ça vient d'où? J'arrive pas à déterminer d'où ça vient ce bruit d'aboiement là. Attendez les gars, faudrait peut-être essayer de rester à l'écoute. On entend aboyer, ouais, on entend aboyer. J'ai l'impression que ça se rapproche. Qu'est-ce que t'en penses toi, Yaya, hein? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ça se rapproche de plus en plus là. Ouais, j'ai raison les gars. Quoi, qu'est-ce qu'il y a un problème là? Quoi? Regarde la porte d'entrée là. Il y a un gros problème. Ouais, y a rien devant la porte. Là-bas, les gars. Oh, regardez les gars. Mais attends, mais c'est Chase. Oh, mais quoi? Les gars, faites pas de bruit, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, peut-être qu'il va rentrer dans la maison là, non? Oh non, les gars, il est juste devant la porte d'entrée, c'est effrayant. J'espère qu'elle est fermée à clé la porte. Bah oui, normalement tout est fermé, hein. Parce que là, rappelez-vous bien, le téléphone, il avait l'air vraiment pas très aimable, hein. Mais attendez, regardez, qu'est-ce qu'il fait? Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Oulalalala, attendez. Il s'approche de la porte d'entrée, hein. Attends, je pense bien qu'il est plutôt en train d'essayer de crocheter la porte. Ça veut dire qu'il essaie de s'introduire dans la maison là. Ouais, c'est ça. On rentre vite. Attendez les gars, chut. Vous entendez là? Ouais, je sais pas s'il est en train de gratter la porte avec ses griffes ou s'il est en train de trifouiller la serrure, mais là ça fait vraiment trop peur quoi. Je crois qu'il a réussi à rentrer. Je crois qu'il a réussi à s'introduire. Mais venez, on va essayer de regarder. On va aller voir. Venez, viens. Ouais, vas-y, let's go. Moi je veux voir Chase. Ouais, mais fais attention. C'est Chase diabolique, c'est une spooky. Fais attention, t'inquiète pas. Vas-y. Oh là, regarde, il est là. Oh, les escaliers. Attendez les gars, c'est juste derrière. Bah ouais, là ça se voit, là c'est Chase complètement possédé là, faut qu'on fasse attention. Bon les gars, faut qu'on aille se cacher là, et très vite là. Allez, où? Venez, on va se cacher dans les toilettes, je sais que c'est pas fou mais on a pas le choix. Allez, venez. Vite, dans les toilettes les gars. Bah ça va là, on est caché, on est en sécurité, mais je sais pas encore pour combien de temps, hein. Bon bah les gars, maintenant faut essayer de parler un petit peu moins fort. Faudrait pas qu'ils sachent qu'on s'est caché dans les toilettes. Mais oui. Ah, attendez, je crois que je reçois un appel. Oui, regardez les gars. Mais Marcus, les gars, qui m'appelle. Yaya, regarde ça. Comment ça se fait? Vas-y. Peut-être qu'ils vont répondre, non? Bah vas-y, réponds. Vas-y, réponds. Allô? Marcus? Et moi les amis, j'ai quelques conseils à vous donner ce soir. Tu es en danger ce soir, il faudrait que je donne quelques conseils. Quoi, comment ça? T'es au courant de quelque chose, toi, Marcus? Tiens, il est possédé ce soir, faites attention, il pourrait vous piéger. Il va vous poser quelques questions. D'accord. Tâchez de bien y répondre. Ok, ça marche. En ce moment, il est possédé, faites attention à vous. Ouais, d'accord, ok. T'entends ça? Vous entendez ça, les gars? Ok, pas de problème. Et merci, Marcus, hein, franchement. Toi, t'es un bon. Ouais. Allez,
Merci Marcus. Waouh, les gars, vous avez entendu ça? Bon, bah là maintenant tout s'explique, les gars. Yaya, qu'est-ce que t'en penses, hein? On est un peu trop dans le caca, les gars. Excusez-moi du terme, mais là c'est vraiment la vérité, hein. Ah bon, bah vas-y, laissez-moi gérer la situation. C'est moi maintenant qui vais être confronté à Chase, ok? Ouais. Fais attention, ouais, hein. Je sais, t'inquiète. Vas-y. Ah, ça y est, attends. Vas-y. C'est pas évident. Allez, vas-y, c'est bon. Okay. Vas-y. Chut, pas beaucoup de bruit, ok? Regarde. Ah ouais, y'a personne du tout, les. Vas-y, on y va. Vas-y. Attends, non, tiens. Oh là là, les gars, c'était beaucoup trop flippant ce qui vient de se passer quand même. Non mais les gars, moi j'ai carrément flippé. Chase, il est terrifiant, il s'est carrément jeté sur moi. Mais attends, quoi? Tu veux pas regarder au niveau du petit trou, peut-être on verra. Ah oui, sur le petit trou, les gars, attends. Ah oui, attends. Oh non, il est là, les gars. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Oh. Et là, les gars, c'était terrifiant. Non mais vous avez vu, grâce au trou de la porte, on a pu voir Chase. Et là, il veut pas nous lâcher, hein. Il est vraiment très déterminé. Bon, les gars, je suis vraiment désolée de vous annoncer ça ce soir, mais je crois qu'on va devoir vraiment se confronter à Chase là ce soir. C'est vraiment une mauvaise nouvelle, là, je le sais, mais on est obligé d'y faire face. Et je crois qu'il y a Spooky a raison, on va devoir être obligé d'être confronté à Chase. Et rappelez-vous bien, Marcus nous a dit qu'il fallait répondre à toutes ces questions. Et normalement, je dis bien normalement, il devrait nous laisser tranquille. Vous êtes prêts? Parce que là, j'ouvre la porte, hein. Allez, j'ouvre. Okay, vas-y. 3, 2, 1, maintenant, c'est parti. J'espère qu'il est plus là. Attendez. Oh, regardez, il est au salon. Regardez, il est au salon. Il est là. Vas-y. Attendez, les gars, qui y va en premier? Toi, c'est Spooky? Ou bien toi, il y a Spooky là? Non, toi en premier. Attends, mais non, moi j'ai pas envie d'y aller. Ah bon, bah vas-y, laissez tomber, allez, je vais y aller, c'est pas grave, hein. Vas-y, hein. Chase. Tranquille. Tranquille, je te veux pas de mal, Chase, ok? Non, ça je sens pas, Robtek, j'ai l'impression qu'il fait semblant d'être gentil là, tu vois? Ça c'est vrai. Bon, vas-y, j'y vais. Bon, Chase, apparemment t'as quelques questions à nous poser, allez, je t'écoute. Eh ben ouais, effectivement, j'ai quelques questions à vous poser. Ah tiens, première question pour toi là. Quoi, moi là? Oui, toi là, première question. Combien y a-t-il de chiens dans la patte patrouille? Quoi? Attendez, mais les gars, je crois que... Attends, on n'a pas une environ 6, non? Alors, je crois qu'il y en a 6. Attends, il y a Chase, Rocky, Stella... Et après, là, je peux plus t'aider, je suis désolée, c'est Spooky, hein. Mais bah vas-y, c'est Spooky, essaye de t'en sortir comme tu peux. Attends, là, de mémoire comme ça, je dirais qu'il y en a environ 6, non? Bah vas-y, je sais pas, 6 ou 7, hein. Vas-y, essaye. Ok, bon, allez, Chase, bon, je pense qu'il doit en avoir environ 6, tu vois. Ouais, 6 chiens, c'est ça, hein? Bonne réponse. Oh yes, les gars, yes. Oh, je suis trop chaud. Eh ben ouais, voilà, je suis trop fort, moi, avec les questions de la patte patrouille. Je suis incollable avec tout ça. Bon, allez, maintenant, Chase, pose toutes les questions que tu veux. Allez, j'ai même pas peur. Ah ouais? T'es sûr que t'as toutes les réponses à mes questions? Tiens, comment s'appellent tous les chiens de la patte patrouille? Et quoi là? Non mais c'est trop dur là, Yaya, faut que tu m'aides. Je crois que c'est qui sur ce coup là, je vais pas pouvoir trop t'aider, hein. Allez les gars, faut m'aider, faut au moins qu'on dise 3 prénoms, non? Attendez les gars, je crois que j'en connais quelques-uns, parce que oui, de temps en temps, je regarde la patte patrouille. Ouais les gars, ça c'est une confidence que je vous fais. Et donc à mon avis, je crois que bah, il y a Marcus déjà, il y a Chase, il y a aussi Stella et puis il y a Rocky. Allez, Ok. Allez, tranquille. Laisse-nous le temps de réfléchir quand même. Attends, et puis après je sais pas, hein. Ah bon, bah tu sais quoi, je vais essayer et puis on verra bien, hein. Allez, vas-y, essaye. Bon bah y'a Marcus, Chase, Robbie, Rocky, attends, Rocky. Stella. Et puis attends, on n'a pas un dernier Chucky, je crois. Ah non. Chucky. Tu croyais que tu connaissais tout? Hein? Tu connais rien? Tranquille, Chase. Ah, je croyais que t'avais toutes tes réponses à ma question. Je devrais vous dévorer. Quoi? Non, mais tranquille, Chase, hein. Non, hey, tranquille, hein. Quoi, il veut nous dévorer? Non, les gars, faut qu'on s'en aille très vite, là. Attendez, je vais pas vous dévorer tout de suite. Parce que vous trois là, oui, vous trois là, je vous aime bien. Ah ouais, mais comment ça? Bon, bah... dernière petite requête. Ah ouais, dernière requête? Ouais, vas-y. J'ai un petit truc bloqué entre les dents, vous pouvez m'aider à retirer s'il vous plaît? Eh oui, pas de problème, mais c'est bizarre quand même, non? Bah, vas-y, c'est Spooky, vas-y. Allez, vas-y, c'est Spooky. Il m'a croqué. Oh non, il m'a croqué. Il m'a croqué.
la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau challenge à 3h du matin, les gars. Et là, vous le savez, en ce moment, ça approche, c'est bientôt Halloween. Et donc, on a décidé de se faire un petit challenge d'Halloween en rapport avec la Pat' Patrouille. Alors, j'ai retrouvé sur YouTube une animation de la Pat' Patrouille où on voit tous les personnages et tous les chiens en version possédée. On va se faire flipper un max. Et en plus de ça, à cette heure-là, on prend quand même le risque d'être confronté à des événements paranormaux qui peuvent survenir dans la maison. Alors maintenant, je vais vous demander de me mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Et ouais, n'hésitez pas à nous soutenir et à nous donner un maximum de force. Et puis n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est toujours pas déjà encore fait. Et en plus, on a souvent l'habitude de faire ce genre de challenge. Alors si tu veux ne rater aucune des prochaines vidéos, abonne-toi, c'est très très important. Et ouais, c'est vrai que ce challenge s'annonce vraiment fou là pour le coup. Puis dites-vous qu'on a souvent l'habitude de faire ce genre de vidéo, notamment à 3h du matin, et ça se passe jamais comme prévu en plus. Bon, alors maintenant vous nous connaissez, vous le savez très très bien, quand on regarde un film, une série ou bien quoi que ce soit, on a toujours préparé quelque chose à grignoter. Et toi la Sim Spooky, aujourd'hui tu étais missionné d'aller au supermarché. Et alors qu'est-ce que tu nous as ramené de bon là hein? Bah alors sur ça la RobTech, tu peux me faire confiance, t'inquiète pas, j'ai pris tout ce qu'il faut. Ah ouais, regarde, ouais. Et en plus, et au vu d'animation de la Pat' Patrouille, je crois qu'on est bien dans le thème là. Ah ouais ouais, fais voir. Attends, regarde, t'es prêt? Regarde. Bah j'ai pris ça. Mais c'est quoi? C'est une gamelle pour les chiens. Ah ouais, et puis bah des friandises pour chiens. Non mais attends, mais c'est qui tu nous as apporté une gamelle et puis des friandises pour chiens? Mais c'est pas parce qu'on regarde un film autour de la Pat' Patrouille qu'il fallait ramener des friandises pour chiens. Non mais Simsuki, t'as encore fait n'importe quoi là. Mais j'espère que c'est qu'une mauvaise blague là, parce que là ça va pas le faire du tout là. Non, moi je vais pas manger des friandises pour chiens. Non. Bon, je te l'avoue RobTech, je t'ai fait une petite blague, mais t'inquiète pas, j'ai ramené tout ce qu'il faut. Ah ouais. Regarde-moi ça les gars. En plus le sac est bien rempli. Non, vas-y, fais voir ce que t'as apporté. T'es prêt là? Regarde, on a des Kinder Bueno, des M&M, ça a pris tout ce qu'il faut là. Ah, là c'est beaucoup mieux quand même. Attends, là on va regarder en détail tout ce que tu nous as apporté. Vas-y, viens, on va regarder tout ça en détail les gars. Alors les Kinder Bueno, ça c'est un régal. On a deux tablettes de chocolat crunch, un paquet de M&M, là je valide. C'est un très très bon choix. Des petites bouteilles de Coca-Cola. Franchement, elles sont mignonnes ces petites bouteilles. Là, je valide. Hein. Mais tiens, petite question là, Sim Spooky. Est-ce que toi, t'as déjà eu le courage de goûter des friandises de chien là, hein? Bah non, j'ai jamais eu l'occasion de tester de la nourriture pour chien. Et d'ailleurs, où tu veux en venir là? Je te sens pas du tout là. Hein. Et bah, tu sais quoi, il y a quand même une première atout, non? Et regarde un peu ça, Sim Spooky. Je te propose de goûter une friandise pour chien. Non, merci, ça ira, hein, t'inquiète. Allez, Sim Spooky, vas-y pour la vidéo, allez. Vas-y, c'est quoi? Laisse-moi sentir un peu. Non, ça pue. Allez, Sim Spooky, pour la vidéo, c'est le petit challenge de la vidéo, voilà. Bon, bah, tu sais quoi, je veux bien taper un croc, mais juste un croc alors, hein. C'est bien parce que c'est pour vous, les abonnés. Allez, vas-y, Sim Spooky, vas-y. Bon bah les gars, vu que Sim Spooky a quand même eu le courage de goûter une friandise, on va essayer de faire la même chose. Ouais les gars, allez, je vais choisir un petit os en friandise les gars. Allez, je vais essayer de goûter et... Oh, non. Allez, on se bouche le nez les gars, c'est parti. Ah non, c'est dégueu. Ah les gars, faut que je rince ma bouche. Oh non, c'est dégoûtant. Allez, ça y est, on s'est installé au canapé et j'ai pris le soin d'éteindre toutes les lumières de la maison. Attends, mais là, je t'en ai oublié une. Attends, il y a celle-ci. Ah oui, vas-y. Tac, ça y est, c'est éteint. Et là, on est tout dans le noir, là. Ça fait flipper quand même. Hein. Ouais, clairement, là, on est carrément dans l'ambiance, les gars. Et là, pour le coup, préparez-vous, attachez vos ceintures, les gars. Mais là, en tout cas, dites-vous qu'on va voir Chase en version maudit. Il y aura aussi Stella en version maudit. Il y aura aussi peut-être Marcus en version maudit. Oui. Ça va être flippant, ça. Allez, ça y est, voilà, j'ai installé la caméra juste sur la table et là ça y est, on est prêt, j'envoie. Allez, let's go. Ok. Oh lolo, ouais. Déjà on a Ryder en point exé et ouais, là ça commence déjà très fort les gars. Ah ouais, mais Ryder en version maudit, il fait peur. Mais c'est Marcus. C'est Marcus. Marcus là. Ouais, il est vraiment trop flippant là comme ça. Oh, mais tu l'as vu, c'est Marcus. Oh là là, il y a vraiment des cornes et tout. En fait là ils sont en mode zombie les gars. Là c'est clairement le thème d'Halloween. Mais c'est Ruben. C'est Ruben en version zombie les gars. Là c'est une dinguerie. Là la version Halloween, elle est vraiment effrayante. Mais regarde, c'est Ruben là. Attends, là, c'est Everest. Mais oui. Mais regarde, il a deux cornes sur la tête celui-là. Apollo.
Apollo, mais... Celui-là, celui-là, on ne connaît pas du tout, les gars. Il n'est pas dans la version française, mais ouais. Il est terrifiant. Attends, mais regarde, Sweetie. Elle a carrément des dents de vampire. En fait, elle est toute mignonne, mais là, de l'autre côté, elle est terrifiante. Attends, regarde, là, il y a Rex. Rex, celui-là, on le connaît pas encore. Hein. Enfin, là, c'est... Non, on le connaît pas. Attends, là, ah, Zuma. On le connaît, c'est Zuma. Un pirate hyper terrifiant, là. Ouais. Oh, mais regarde, il a des cornes de couleur verte. Wildcat. Oh, le chat, il fait flipper, hein. Il lui manque une oreille. Mais c'est pire que Cartoon Cat ou quoi, là? C'est clair. Les gars. Oh là, mais t'as vu Cheese? Il a carrément la main coupée, il est rempli de griffes et tout. Oui, il a la patte coupée, les gars. Et puis regarde sur cette représentation, là aussi. Ah ouais, il fait peur. Franchement, il fait peur, là, hein, Cheese. Là, il a des cornes de vampire et tout. Ah ouais, Il a carrément un crâne dans ses mains. Mais franchement, je crois que c'est vraiment la pire animation de la Pat Patrouille, là. C'est clair, c'est carrément flippant, hein. Oh, mais regarde son nez, gros. Mais y'a un problème, là. Attends, mais regarde Codeway. Elle ressemble à Amanda The Aventure, non? Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, ça. Bien vu, Miss Spooky, là. Alex Porter. Le fermier. Regarde le fermier. Le fermier, regarde, il est rempli de griffes aussi. Il a les dents de Dracula. Là franchement, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, c'est une dinguerie. Oh, mais c'est Chase, mais en version chat. Ouais, c'est clair. Il était flippant, celui-là aussi. Ça y est, c'est terminé. Là franchement, on a clairement vu les pires versions de tous les chiens et de tous les personnages de la Pat Patrouille. Ils étaient tous flippants les uns les autres, franchement. Franchement, là c'était un truc de dingue, là. Là ils étaient tous en version maudit. Franchement, j'étais pas prêt. Non mais franchement, moi personnellement, j'étais pas prêt déjà. Quoi, ce bruit? C'était quoi, ça? Oh, mais quand j'y pense, j'ai laissé ma fenêtre ouverte, mais ça doit être la porte qui a dû claquer ou quoi que ce soit. Non, c'est pas les courants d'air. Là, il y a quelqu'un. Là, à mon avis, il se passe quelque chose. Je sais pas, mais il se passe quelque chose, là. Déjà, on va rallumer les lumières. Les gars, parce que là, déjà, ça fait trop flipper, sinon. Voilà, c'est mieux comme ça avec les lumières, mais là, maintenant, je crois que vaut mieux, en fait, aller voir ce qui se passe. Je crois que ça provient de l'étage, en plus. Viens, on va monter. Allez, viens, c'est spooky. En tout cas, là, c'est pas normal. Faudrait peut-être qu'on aille voir ce qui se passe. Viens, allez, essaye de pas faire trop de bruit par contre. Viens, suis-moi. Et peut-être que ça provient des toilettes. Viens, on va regarder dans les toilettes déjà. Tu vois quelque chose? Attends. Mais non, pas du tout. Ça provient pas du tout des toilettes. Je crois que ça provient plutôt de cette pièce-là. C'est ta chambre en plus, c'est spooky. J'ouvre pour voir. Je sais pas, mais là. Oh, là, regarde par la fenêtre. La fenêtre, là. Non, mais. Oh, vite, redescends, vite. Oh non, mais quoi, mais c'est Chase! Mais Chase vient de s'introduire par la fenêtre de ta chambre, c'est Miss Spooky! Et attends, ça c'est bizarre parce que dis-toi que là, à cette heure-là, ça craint! Ouais, ça craint! On pourrait très bien tomber sur un Chase complètement possédé et diabolique! Ouais, effectivement, c'est vrai, à cette heure-là, faudrait se méfier des apparences! Tu veux pas qu'on se cache là de ce côté-là? Viens! Vaut mieux prendre un maximum de précautions, là c'est dangereux! En tout cas, ça craint de fou là, les gars, surtout à cette heure-là! Mais attends, chut! Oh, regarde, il descend. T'entends déjà à son ton de voix, ça sent pas bon du tout. À mon avis, c'est bel et bien la version diabolique ce soir. Chut, regarde là. Oh, je vais bien m'amuser ce soir, je vais faire un cœur même. Mais attends, c'est assez drôle là pour le coup. Des friandises, ça fonctionne bien, hein. Je pensais pas comme ça, mais là du coup, il est bien plus préoccupé par les friandises que par nous. Et ça, c'est un bon point positif en tout cas. Et là, en tout cas, ça nous laisse un peu de répit, mais je sais pas pour combien de temps en tout cas. Et regarde. Cache-toi. Il est en train de se régaler en fait là, mais c'est clair. C'est fou quand même, c'est fou ce qui se passe là. Attendez, mais regardez ça. Et là, je pense qu'il vit sa meilleure vie. Il est en train de se régaler là, Chase, hein. En tout cas, je savais pas que Chase de la Pat Patrouille était aussi gourmand, les gars. Non, mais là, c'est terrible. En tout cas, là, les friandises, ça fait vraiment son effet. Il est carrément en train de se goinfrer là, Chase. Faudrait pas qu'il vomisse non plus, non? En tout cas, Chase là, il est beaucoup trop à l'aise, hein. Canapé, petite friandise. Là, il est très très bien même. Ah, attends. Je crois qu'il se passe quelque chose de bizarre là. Et regarde, il se lève. Il s'est levé. Qu'est-ce qu'il fait? Bella! Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Bella!
mais qu'est-ce qu'il fait là? Non mais il a fait tomber toutes ses friandises et je crois qu'il est bien plus préoccupé par ce qui est affiché sur la télé. Mais regarde. Oh, 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 mais là c'est vraiment trop drôle. Chase il est carrément en crush sur Stella. Et il est fou amoureux d'elle je crois, non? Eh ouais ouais ouais, là je crois bien qu'il y a de l'amour dans l'air les gars. C'est beau l'amour en vrai. Mais en tout cas ça nous fait encore un bon point positif. Parce qu'il est bien plus préoccupé par ce qui est affiché à la télé et par ses friandises. Et ça c'est... Oh attends, il y a mon téléphone qui sonne là je crois. Attends, attends. C'est étrange ça, regarde. Marcus, Marcus qui m'appelle là maintenant là. Et je réponds. Ouais vas-y réponds. Allô? Marcus? Hey, je l'ai repéré, c'est mon Marcus. Fais attention parce que Chase, il est vraiment dangereux. Ok, oui. Hey, carrément, il peut se montrer très dangereux. Oui, effectivement. Ouais, oui, t'as raison. Hey, si tu veux, je peux venir t'aider. Et oui, parce que là, Chase, il peut vraiment se montrer très très dangereux. Ok. Oui, je vais venir t'aider. Ouais, c'est une... J'arrive dans quelques minutes. Oui, si possible. Oui, ça serait une bonne idée. Allez, j'arrive, à tout de suite. Ok, à tout de suite. Merci, Marcus, hein. Ok, merci. À tout de suite. Oh, Marcus, c'est vraiment un très très bon ami, les gars. Bon, en attendant la venue de Marcus, faut vraiment qu'on la joue profil bas. Attends, faudrait que je me cache quand même, on sait jamais. Vas-y, essaye de me cacher sous la table un peu. Aïe, ma tête. Oh, oups, je me suis fait hyper mal, je crois que j'ai fait un peu trop de bruit là par contre. Chut, je crois qu'il nous a entendu là, non, Robtek? Et là, Marcus, faudrait qu'il se dépêche, hein, là, ça craint de ouf, hein. C'est vrai, ça, attends. Oh, bah tiens, en parlant de Marcus, à mon avis, ça doit être lui. Oui, ça doit être lui. Et ouais, je pense que c'est Marcus, y a aucun doute. Mais par contre, faudrait qu'on aille ouvrir la porte sans qu'on se fasse repérer par Chase, non? Mais c'est vrai, ça, les gars, va falloir qu'on se rende jusqu'à la porte d'entrée sans se faire repérer. Vas-y, Sim Spooky, essaye de me suivre discrètement. Oh, mais ça va, yes, il est plutôt préoccupé par la télé. C'est vrai, vas-y, allez, je te laisse. Let's go. Ok, maintenant c'est à mon tour, les gars, c'est parti, let's go. Ouf, ça va, il nous a pas repéré, allez, maintenant, faudrait qu'on aille ouvrir la porte d'entrée à Marcus. Oui, c'est vrai. Allez, viens. Allez, il doit nous attendre, là, en plus. Non, c'est clair, il doit nous attendre depuis un certain temps, peut-être. Ouais, vite. Chase, il est un peu toc-toc en ce moment. Allez, laissez-moi faire, je m'occupe de lui. Heureusement que Marcus, il est là pour nous aider, parce que sans lui, franchement, ça serait la misère, hein. Ouais, c'est vrai, ça serait vachement compliqué. Allez, viens, faudrait peut-être qu'on aille rejoindre Marcus, non? Ouais, à l'étage. C'est vrai, vas-y, monte. Approche. On va voir ce qu'ils se disent et ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est vrai, vas-y. Oh, Marcus, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais je crois qu'il est triste, Marcus. Oh non, mais Marcus, sois pas triste comme ça. Chase m'a trahi. Oh, sérieux, mais c'est vraiment pas cool ça pour le coup, non? Ouais, attends, c'est vrai ça? Oui. Chase a volé ma copine. Hey, non mais vous entendez ça les gars? Apparemment Chase aurait volé la copine de Marcus. Ça c'est vraiment pas cool là. Non mais là pour le coup Marcus, tu devrais pas te laisser faire par Chase, hein. Ça c'est pas quand même, hein. Tu devrais te rebeller quoi, hein. Oui d'accord. Non, je vais pas me laisser faire. Oh, t'as vu Marcus, comment il est parti en trombe? Je crois qu'il veut carrément en découdre là, non? Non mais attends, allons voir. Mais allons-y. Regarde. Tu m'as trahi. Ça se fait pas ça, ok? Stella, elle est à moi. Non, Stella, elle est à moi. Hey, de toute façon, si tu veux la bagarre, on va faire la bagarre. Oulala, il y a de la confrontation là, hein. Ça sent pas bon, hein. Et bon, bah moi je propose qu'on retourne quand même se cacher, hein. Hey, viens, parce que là, ça craint un max là. Viens. Ça continue, je crois que c'est pas prêt de s'arrêter, regarde un peu. Quoi ce délire, on se croirait un combat de catch ou quoi là? Mais en fin de compte du coup le fait que Marcus soit venu jusqu'à la maison, ça fait pas du tout bon ménage en fait là. Oh, attends, y'a encore mon téléphone qui sonne. Ça peut être qui? Ça peut être quoi là? C'est qui cette fois? Non. Regarde. The Rider. Rider? Mais ouais, c'est le chef de la meute. C'est lui qui dirige tous les chiens de la patrouille. Attends, je réponds là, c'est important quand même. Tu devrais répondre. Allô? Allô, Rider? Oui, c'est moi, Rider. Attends, okay. Rider, t'as un gros problème. Oui. Quand il y a Marcus et Chase qui chamaillent pour Stella, c'est mal barré, hein. Oui, effectivement, Rider, là, ouais, on a un problème. Et ouais, ok. Pour essayer de les calmer, donne-leur quelques friandises. D'accord. Allez, bon courage à toi.
Ouais. Oui, bonne chance. Ok, ça marche. Eh, merci du conseil, hein. Ouais, merci du conseil, là, Ryder. Bon, bah, les gars, Ryder vient de nous donner quelques conseils. On va essayer de les appliquer. Mais là, entre-temps, regarde, ça continue. Mais regarde, là encore. Se battre en fait et ça s'arrête pas les gars. Attends, je crois que j'ai une idée. Mais ce qu'on peut faire, c'est que je peux, tu vois, comme tout à l'heure, afficher une photo, une image ou une vidéo de Stella sur la télé. Et je pense que ça peut-être essayer de stopper la bagarre. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses toi, Sim Spooky là, hein? Mais ouais, c'est vraiment une très bonne idée. Mais encore faut-il choper la télécommande quoi. C'est ouais, ça c'est vrai. Mais t'inquiète pas, ça je m'en charge. Et ouais, je pense que les télécommandes de toute façon, ils sont sur le canapé. Et je vais y aller, je vais essayer d'y aller les gars. Vas-y, donne-moi la caméra. Les gars, ça s'arrête pas, regardez. Télécommande. Oh, ils sont là. Allez, c'est celle-là, les gars. J'ai la télécommande. Vite. Tiens, c'est Mistouki, j'ai la télécommande. Attends, j'allume la télé. Vas-y, essaye d'allumer la télé. Vas-y, fais quelque chose. Allez, vite. Ça y est. Ça s'est allumé. Ça y est, ça s'est affiché là, non? Oui. Regarde ça, c'est... J'ai comme l'impression qu'ils sont tous les deux attirés par Stella qui est affichée sur la télé. Tu sais quoi, je pense que c'est le moment. Je vais écouter les conseils de Ryder, je vais leur donner quelques friandises pour essayer de calmer le jeu, tu vois. Ouais, c'est vrai ça. Allez. Vas-y. Allez, let's go, à tout à l'heure. Non mais attendez les gars, Sim Spooky a carrément le courage de proposer les friandises. Eh, franchement il est courageux, ouais là pour le coup franchement il est très courageux. Attendez, on va essayer d'observer, on va essayer de voir ce qui se passe par la suite. Hey les gars, Marcus, Chase, vous voulez pas quelques friandises? Hein? Oh là, et ça a carrément foiré en fait, hein. Je pensais que ça allait fonctionner, mais là, pas du tout. Ah ouais, non, mais là, t'as du courage, Sim Spooky. En plus, c'était d'une bonne intention, mais là, ouais, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais tu sais quoi, Sim Spooky? On va y aller à deux. Ouais, on va prendre notre courage à deux mains et on va y aller à deux. On va s'interposer face à Marcus et à Chase. Oui, allez, viens, vite, suis-moi. Allez, les gars, c'est parti. Et franchement, je le sens pas trop, mais on n'a pas le choix, hein. Sinon, ça va jamais s'arrêter, les gars. Viens, vite. Hey, vous deux là. Ouais. On se calme, ok? Hey, non, pas de bagarre ici, ok? Allez, stop, on arrête la bagarre, allez, séparez-vous. Non, mais les gars, j'en suis sûr que Stella n'aurait pas aimé la bagarre comme ça, hein. Arrêtez, calmez-vous, d'accord? Et je pense que les démons leur montent à la tête, hein. Ouais, du calme, les gars. Oh, bah, regarde, tout a l'air de bien se passer. J'ai l'impression qu'ils sont en train de se serrer la main, tout va bien maintenant. Hein? On s'enfuit par ici. On a quand même réussi à s'en sortir les gars, c'était pas gagné. À un moment donné ils se sont serrés la main. Moi je pensais que tout allait mieux, mais là pour le coup ils se sont carrément attaqués à moi-même. Et là franchement j'ai pas du tout assumé. Eh bah là je crois qu'on a carrément un problème là. Regarde derrière toi, là. Oh non. Eh non. Eh vite. Faut rentrer vite là. Là. Vas-y, dépêche-toi. Vite. Oh là là, allez ferme, vite. Ça y est, j'ai fermé à clé. Oh là là, regardez, il y a Chase, et là, il y a Marcus. Oh là là, mais c'est trop chaud là, c'est vraiment terrifiant. Mais ouais, là c'est terrifiant, mais regarde, elle essaie de clencher la porte là. Non, attends, je ferme. Et voilà, ça y est. Non mais ils sont fous, ils sont carrément diaboliques ce soir. Non mais là franchement c'est terrible, hein. Ryder, ils vont en avoir marre à la fin. Mais ouais, on aura beau tout essayer là ce soir, ils étaient complètement possédés quoi. On pouvait pas du tout les arrêter, hein. Bon, bah les gars, je pense bien que c'est dès maintenant la fin de cette vidéo. Et franchement, c'était assez mouvementé ce soir. N'hésitez pas quand même à nous mettre un maximum de likes pour le soutien, parce que là, ça n'a pas été de tout repos. Et puis la chose très importante qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube les gars. Allez, je vous laisse sur tout ça et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite. C'était moi-même et Sim Spooky. Ciao.